Je l'avais dit que ça pouvait pas être autre chose qu'un malentendu. Si Pa a reporté son affection pour Mélina vers toi, c'est à cause des images de leur amour qu'il voulait préserver. Pour combien de temps, tu penses? Pa est pas mal dans la même situation que nous autres, là. Faut qu'il s'habitue à sa maladie, lui aussi. C'est un peu comme une spirale. Par moments, il y a des montées de conscience. Par d'autres, c'est comme si le rêve devenait réalité pour lui. Ces médecins prétendent que c'est temporaire, je vois pas pourquoi on en douterait. Ça change quand même rien pour moi. À cette heure que Mélina t'a dit pourquoi il pouvait pas être question que ton père vive dans le deuxième rang, c'est sur moi que ça retombe. Écoute, il se passera pas grand temps avant que mon père s'ennuie de Mélina. Tout ce que je te demande, c'est d'être patiente jusqu'à ce moment-là. Et que ça signifie pas pour toi de rester à la maison toute la journée pour t'en occuper, là. Mais d'être disponible quand père en manifesterait le besoin. L'intendance, c'est moi qui vais s'en charger dans le quotidien des choses. Tu sais que ça risque de t'occuper à plein temps. Il va arriver quoi avec la beurrerie puis la quincaillerie? Quand on est en pleine phase d'expansion, c'est pas le moment de travailler dans l'à peu près. Depuis la fin de l'été, il y a personne qui dirige rien nulle part. Tout va finir par dégringoler. Si je te proposais quelque chose là-dessus? Pour m'amadouer par devers ton père. Alors, commence pas, veux-tu? C'est correct, je t'écoute. En attendant que ça sera mieux pour Pa, tu prends ma place à Quincaillerie, à Beurrie, puis ici même à Petre-Basque. Je vais m'en mêler seulement si tu le juges à propos. Penses-tu que tu serais plus heureux pour autant? C'est d'abord à toi de répondre à cette question-là. Moi, ce que je vois, là, pour ma part, c'est que tu considères la maladie de mon père comme un empêchement à ton besoin de brasser des affaires. Moi, ma priorité va dans un autre sens pour le moment. Je dois au moins à mon père le droit de finir sa vie dans un minimum de tranquillité. Si j'acceptais, j'aurais l'impression d'acheter mon affection par-devers ton père. L'important pour moi, c'est que ça mette fin à ce qui nous sépare depuis quelque temps. Ça n'arrive pas à s'entendre là-dessus, non? Ça se passe quoi, tu penses, avec l'amour qu'on a un pour l'autre? Je veux bien essayer, Charles. Mais je voudrais pas que tu m'arrives dans quelques jours puis que tout change encore. Ça sera pas le cas. Tant que mon père puis Mélina en décideront pas autrement. Ça te convient? Dans ces conditions-là, oui. Ça me convient. T'avais l'air rendu loin, pas ordinaire. Je rêvais ça. Ça a commencé de bonne heure après le dîner. Même pendant la petite sieste, tu naviguais déjà pas mal cru là-dedans. Vire d'un bord, vire de l'autre. C'est certain qu'il y a quelque chose qui te tracasse. C'est une drôle d'impression qui m'habite depuis que j'ai vu Antoine. Ça arrête pas de me trotter dans la tête, même quand j'y pense pas vraiment. Ça a été tellement inattendu. Si tu veux attendre pour m'en parler, je t'en voudrais pas, tu sais bien. C'est pas la question. Je me demande juste pourquoi Antoine s'imagine qu'il joue aux dames avec Boromir, puis pourquoi il tient tant maintenant à me considérer comme sa petite sœur. J'imagine que c'est compréhensible. Pour quelqu'un qui perd contact avec la réalité, sans doute que les mots veulent plus dire la même chose. En autant, bien sûr, qu'ils soient encore porteurs d'un sens quelconque. Si tu disais vrai, Antoine pourrait bien prétendre jouer aux dames avec n'importe qui d'autre que Boromir. C'est pareil pour le fait qu'il m'ait appelé sa petite sœur. Pourquoi moi, plutôt qu'un membre de sa famille propre, par exemple? Quand Boromir est mort, sans doute qu'Antoine s'est senti responsable, même malgré lui. Antoine a sûrement besoin de faire la paix avec lui là-dessus. Je te convainc pas, je pense. Je voudrais juste m'enlever ça de la tête. On devrait aller faire un tour à Woodworth.
pour se rendre compte de l'avancée des travaux de Benjamin. Puis quelques milles dans le bois, il n'y a rien de mieux pour se changer d'idée. Je t'accompagne. Tu vois, le sourire revient déjà. Imagine-toi ce que ça va être avec un grand bol d'air en plus. À cette heure que tout le monde est parti, tu pourrais venir faire un tour dans la cuisine avec Bouscotte puis Mandoline? Ah, si t'as besoin à toi de me dire que tu t'en vas. T'as pas besoin de mettre de gants blancs, hein? Bouscotte et puis Mandoline, je suis capable de les garder. Ben, c'est possible que Marjolaine arrive tantôt à Saint-Fabien. Ah, c'était prévu, par exemple. Faudrait quand même que je sois là pour l'accueillir, hein? Que tu n'as pas dit de venir ici? Ben, c'est en même temps un petit meeting pour le parti. Ça aurait pas grand intérêt pour toi. À moins que ça te tente vraiment de venir à Saint-Fabien. Saint-Fabien? Je dirais pas non. Ah, ça me fait plaisir, pas. Alors, je parlais pas du chalet, moi. Je parlais de la maison du grand-père Maxime, celui qui reste enfermé quand sa femme le chicanait trop. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. T'es certain que ça a déjà existé, ça? Ah, la maison est toujours là, à côté du moulin à farine. Ben, si tu veux la voir. Alors, pas aujourd'hui. Mais Fabien, c'est encore bien loin, puis j'ai trop de choses à montrer à Bouscotte puis à Mandoline. Ben, à plus tard, pas. Si vous voulez aller au grenier, moi, je serais d'équerre que ce soit maintenant, là. On pensait que vous aviez changé d'idée. Ben, matin, ça aurait pas arrivé, parce qu'il y avait trop de monde dans la maison, mais là... Hé, hey, pas si vite. Ça va pas au grenier, là, les mains vides. Fais pas de ménage dans un grenier. Avec la belle chemise que ma petite soeur m'a donnée, vaut mieux prévoir que guérir. Sinon, ça serait faire une injure au cadeau qu'elle m'a donné. Et si vous le dites, ça doit être vrai. Ah, bien évidemment que c'est la vérité. Bien évidemment. Le sous-titrage de cette émission... Poussière dessus, là. Mandoline, mène la bouteille. C'est important de frotter comme il faut avant. On sait même pas ce qu'on cherche. Ah, bien évidemment que toi et Mandoline, vous le savez pas. Mais moi, je suis au courant, par exemple. Au courant de quoi? Bien, qu'il y a sûrement quelques photos qui sont glissées quelque part ici dedans. Les photos? Vous les aviez affichées sur le mur dans votre chambre? Oui, mais je n'étais pas venu vérifier ici, par exemple. Puis ce serait pas correct s'il y en avait même juste une qui restait enfermée dans une boîte. Parce que tôt ou tard, elle en sortirait. Puis ce serait comme la lampe d'Aladin, hein? Quand on la brossait sans le savoir, mauvais génie amènerait le déluge. Ça n'existe pas, les mauvais génies. Il y en a partout. Si on les voit pas, c'est parce que ça fait des siècles qu'ils sont là. Sinon, la poussière, il n'y en aurait pas. La poussière, ça, c'est ce que les génies laissent partout pour se venger de nous autres. Là, là, on peut l'ouvrir, la caisse. Le papier de soie, là, c'est une idée de ma grand-mère. Quand c'est bien étendu, il n'y a rien qui passe au travers. Ah, on est tombé sur le gréement de grand-père Maxime. Ah, la tabatière. Hein? Il a joué à tabac. Ma blague. En peau de cochon. Ah, ça, la peau de cochon, c'est pas tuable. Touche, 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 tu vas voir. Touche, touche. Ah. Et le grand-père Maxime. Quoi, il y a pas qu'il y avait les mêmes yeux que toi. Hein, des yeux qui ont toujours l'air à regarder plus loin que le bleu du ciel. Moi, je vois rien. Ah, ben, ça prend du temps pour voir. Je peux la garder? Ah, ben, c'est pour ça qu'on l'a trouvé, je pense. OK, merci. C'est vrai. C'était la vérité, vrai. C'est encore tout brûlant, là. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe bien trop. Je peux pas la tenir. Il y a encore plein de braise dedans. Je peux pas la tenir. La plaie est tout.
Je m'en occupe. Je peux-tu savoir ce que ça veut dire? C'est à cause de ça, je pense. Mais c'est rien d'autre qu'une pipe, ça. Je vois pas le problème. Quand on s'est parlé, à ma tête, était pourtant d'accord pour qu'on discute de Manu après la session parlementaire. Je le sais. Sauf que Manu m'a téléphoné tout de suite après toi. Mais t'avais qu'à le faire poireauter, comme moi je fais. Je suis tannée de son harcèlement. Quand il me dérange pas en pleine séance, j'ai droit à ses appels quasiment au milieu de la nuit. J'ai plus de patience pour écouter ses doléances, surtout quand les menaces suivent. À quoi tu fais allusion, là? Aux organisateurs qu'on a déjà recrutés dans toutes les régions du Québec. À cause de ce que leur raconte Manu, on risque de les perdre si on bouge pas. Manu est allé jusqu'à leur dire que le parti envisageait même de s'aborder parce qu'en toi pis moi, ça serait la chicane. L'information m'a été confirmée par Mario Duguay, qui hésite maintenant à devenir notre porte-parole à Montréal. On n'a pas les moyens de perdre une recrue pareille, surtout pas dans une ville où on veut encore rien savoir de nous autres. Les sondages sont clairs là-dessus. Avec Duguay dans le paysage, on doublerait notre membership en partant. Ouais. Non, je reconnais que c'est un organisateur efficace. Mais il joindra pas nos rangs pour une brassée de fleurs. Il veut un siège à l'exécutif, la main haute sur les finances puis sur l'image que le parti doit se donner, avec un comté à son goût pour les prochaines élections. C'est pas mal ce que Manu représente déjà dans le parti. Si on devait s'entendre avec Mario Duguay, aussi bien dire que Manu sort par la porte d'en arrière. C'est exactement ce qu'exige Duguay. Que Manu devienne de l'histoire ancienne. J'ai avec moi le protocole d'entente que Duguay a déjà signé. Si on en fait autant tous les deux, on pourrait prévoir un point de presse dès la semaine prochaine. T'as quand même pas l'intention d'en parler à Manu? C'est pour ça que je suis là. Moi, je suis prête à le rencontrer aussi vite qu'aujourd'hui. Non, moi, je préfère qu'on retarde de quelques jours une décision pareille. Ça nous avancerait à quoi? On courait juste le risque de voir Duguay nous filer entre les doigts. C'est Manu qui a sauvé pas de la rivière Trois-Pistoles. Ça a été tellement vite depuis que c'est arrivé qu'on n'a même pas trouvé le moyen de l'en remercier. Ça n'a rien à voir avec le parti. En mélangeant les deux, c'est comme d'admettre qu'on sortira jamais des limbes. Manu a toujours été mon ami. Sans lui, je serais même pas député aujourd'hui. Je le sais. Sauf que quand l'amitié risque de nous ramener à notre point de départ, elle a plus sa raison d'être. Après Manu, pourquoi la même chose m'arriverait pas, comme à lui? Parce qu'entre toi pis moi, c'est pas une question ni d'affaires, ni d'amitié, mais d'amour. C'est toute la différence du monde, tu penses pas? Laisse-moi un peu de temps pour me faire à l'idée, OK? C'est un peu comme si... comme si jamais était la fin du monde. Chérie, promets. Blâmez pas personne pour le cautionnement que le juge vous a refusé. Quand on met le feu à des bâtiments qui sont pleins d'animaux, puis qu'on profère des menaces devant témoins, c'est qu'on est passé du mauvais bord des choses. Je vous l'ai dit, je savais plus ce que je faisais. J'avais comme perdu la tête. Vous étiez surtout en boisson. Vous auriez dû penser à ma gloire, à tout ce que ça lui a coûté parce qu'il buvait à cachette. En faisant pire que lui, vous avez manqué de respect par-devers sa mort. C'est d'abord ça que je vous pardonne pas, Marie-Victor. C'est un moment de folie. C'est mon amour pour Victorienne qui m'a aveuglé. Quand on aime autant que vous le prétendez, on se conduit pas comme quelqu'un que la tête s'est décollée de ses épaules. Pensez-y deux minutes. Victorienne aurait pu se déjeter de l'enfant qu'elle porte. Avec un tel poids sur la conscience, vous auriez bien autre chose à vous plaindre que d'un cautionnement que vous avez pas eu. Faut que vous m'aidiez. Vous êtes la seule qui pouvait le faire. Il y a juste la bonne Sainte-Anne qui peut peut-être vous entendre. Si vous avez même oublié les mots qu'il faut dire, regardez au verso de l'image. Les mots sont parfaitement bien écrits. Vous n'allez pas partir tout de suite demain? Le plus vite vous prierez la bonne Sainte-Anne, plus vite vous aurez peut-être droit au pardon du Dieu Tout-Puissant. Donnez-moi au moins des nouvelles de Victorienne. Avec le malheur qui frappe M. Beauchemin, Victorienne fait montre d'un courage à toute épreuve.
voudrais la voir. C'est pas moi qu'il faut le demander, ma Victorienne. Vous savez bien que j'ai pas le droit de l'appeler d'ici. Il y a seulement par vous que je peux passer. Je vais lui transmettre le message, mais faites-vous pas d'illusions. Victorienne n'a plus aucune raison pour venir jusqu'ici. Quand même important pour moi d'y en demander pardon. Adressez-vous d'abord à la bonne Sainte-Anne. Moi, j'ai plus rien à vous dire. J'espère seulement que le Dieu Tout-Puissant prendra pitié de vous. Adieu, Marie-Victor. Prier. Créer à ça. Aussi bien d'admettre d'avoir une lanterne à la place de la vessie. C'est la plus belle pipe que j'ai jamais vue. Et surtout vieille, je trouve. Raison de plus pour la garder. Je pourrais commencer une collection. Faudrait d'abord savoir ce que Pan pense. Et s'il l'a pas gardé avec lui, c'est parce qu'il en veut pas. Mais ça veut pas dire qu'il te la donne pour autant, ça. Léonie est dans la chambre avec grand-père depuis assez longtemps qui est sûrement calmé maintenant. Je vais monter le voir. Non, je vais monter aller vérifier moi-même. En attendant, vous bougez pas d'ici. OK? C'est fait, tu viens nous déranger. Tu vois bien qu'on a besoin de personne avec nous autres. Je pensais que tu pouvais avoir le goût de manger quelque chose. C'est une question à me poser. Pourquoi tu fais semblant que c'est pas le cas? Par rapport à la pipe que t'as trouvée dans le grenier, là. La pipe? Quelle pipe, ça? Je vois pas comment j'aurais pu trouver une pipe dans le grenier où je suis même pas allé. Ce serait pas plutôt Biscotte qui serait allé fouiller là-dedans avec Mandoline, là? Le fait est que c'est lui qui l'a, la pipe, là, puis il veut savoir s'il peut la garder. C'est rien. On dit à Biscotte qui vient de me voir plus tard. Avec la pipe? Bien évidemment. Et puis du tabac aussi. Pourquoi du tabac aussi? Ben, à quoi c'est pas bien servir une pipe s'il y a pas de tabac dedans? Où est-ce qu'on en était rendu, là? Vous m'expliquiez pourquoi vous vouliez pas voir Mélina. J'ai fait cette peine de même. De tout le temps me rendre compte, mais... de la misère, il y a tout ce qui se passe là-dedans. Hein? Ça change trop vite. Des fois, je fais quelque chose, puis je voudrais déjà oublier que je le fais. Ben non, j'ai peur sans raison. Comme c'est arrivé tantôt avec Biscotte et Mandoline dans le grenier, là. Mais vous venez de dire à Charles que vous n'êtes pas allé au grenier. Et puis qu'il me pose d'autres questions. Ouais, des fois, ça me prend pas grand-chose de me mettre à penser tout de travers. T'as rien de te le dire à toi, parce que je sais que contrairement à Mélina, t'en souffriras pas. Il y a une raison? Mais parce que t'as moins de sentiments pour moi que Mélina peut en avoir. Mais je veux dire, pour toi, c'est pas une question de bleu du ciel à préserver. Tu peux le comprendre sans que t'en aies mal. Si je vous demandais ce que vous attendez de moi, vous répondriez comment? Mes enfants sont trop proches de moi pour admettre ce qui va finir par m'arriver. Au fur et à mesure, les choses vont se passer. Je voudrais que tu rassures. Puis si ça se mettait vraiment mal à lire, je voudrais que ce soit toi qui détermine comment ça va se passer. Pour moi et pour la famille. D'une certaine façon, c'est comme si vous vouliez que je remplace Mélina auprès de vous. Ben, ça préserverait ce qui reste bleu du ciel, entre elle et moi. Mais c'est peut-être pas ce que Mélina espère. Pourquoi vous y en parleriez pas? Il semble que je l'ai déjà dit, ça. Je m'excuse. Je voulais juste en être certaine. Non, c'est moi qui s'excuse, là. C'est moi qui s'excuse. Tu es en train de te demander un gros sacrifice pendant que je devrais réparer mes torts.
J'ai déjà commencé avec ton père et ta mère, mais c'est loin d'être suffisant. À quoi vous faites allusion? Oh, plus tard. Plus tard, là, j'ai plus d'idées pour parler. Vous devriez peut-être vous reposer maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ouais, c'est ça. Oublie ce que je t'ai demandé, hein? T'as pas de raison de faire ça pour moi. Même si je vous disais que je vous aime. Pour ton atelier, j'ai rien organisé vraiment, là, à part la table. J'aime autant que tu mettes ça à ton goût. De toute façon, je sais même pas combien d'espace tu as besoin. Tu as sûrement trouvé ça trop petit. Non, c'est grand, Maf. Ça a pourtant pas l'air de t'enthousiasmer. Il s'agit pas de ça. J'ai encore la tête rue Notre-Dame. Ton père va pas mieux? Je sais plus quoi penser. C'est encore Léonie qui fait des siennes? Elle pensait tellement que Pat se retrouverait chez Mélina. C'est pas facile pour elle d'admettre que ça soit différent. Ben, jusqu'à un certain point, je peux comprendre. Quand t'as deux enfants, puis que tu rêves un peu d'intimité, s'occuper de quelqu'un comme Pat, c'est pas l'idéal certain. Étant donné que je peux rien y changer, je suggère plutôt qu'on aille faire le tour des bâtiments. Non, j'ai pas encore besoin pour la peine dehors. Je veux d'abord que ce soit au moins présentable ici dedans. J'ai du bois, par exemple, qui doit arriver tantôt. Dès que c'est là, je me mets à l'ouvrage. On pourrait aller jeter un coup d'œil ensemble. Question que je voyais comment il serait possible pour moi de faire ma part. Des boxons puis des enclos à radouber, ça n'a rien de bien excitant. S'il y a quelque chose à démolir, là, j'achète ça tout de suite. Me retrouver avec une masse des mains, je serais pas contre pantoute. Pour te défouler, il y a tout ce qu'il faut dans le hangar. Après, on s'assoira bien tranquille pour voir quand est-ce que tu déménages tes affaires ici. Je pensais que la priorité, c'est d'abord les animaux. Ils doivent arriver quand? J'en sais encore rien. J'ignore aussi que Samek et Samuel en sont rendus avec leur campagne de souscription populaire. J'ai comme l'impression que ça tourne en rond. Ça restera pas longtemps de même parce que je vais y voir. Fais-moi confiance là-dessus. J'ai mis plusieurs choses au point. On va d'abord commencer par passer au travers. C'est pas exactement pour cette raison-là que Philippe Pimon est ici. Je t'en ai prévenu un matin quand tu me dérangeais en pleine commission parlementaire. Je n'ai pas tenu compte de tes doléances comme personne s'intéresse aux miennes. Moi, c'est d'abord le parti qui m'importe. On fait du surplace depuis la rentrée parlementaire. Tous les projets qu'on avait sont en train de couler à pic dans le fleuve avec pour résultat qu'on n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Du train que ça s'en va, le parti risque d'être mort puis enterré avant même les prochaines élections. On est d'accord là-dessus, tout le monde. Il ne suffit pas d'être d'accord. Ça prend des mesures énergiques pour remettre le parti sur ses rails. C'est pas seulement une question de mesures. C'est une question d'équipe aussi. Je devine là-dedans un autre reproche par-devers moi-même. T'as donné au parti tout ce que tu pouvais en le mettant au monde puis en faisant élire Philippe. Mais l'image qui est associée à toi, on peut pas la transporter du bas du fleuve jusqu'à Montréal. J'ai déjà proposé plusieurs fois au parti d'aller plus souvent à Montréal. D'y passer même un mois sur deux, si nécessaire, à mes frais, à part ça. Pour la raison que je viens de te donner, ça réglerait pas le problème. Ce dont on a besoin à Montréal, c'est de quelqu'un qui est né là, qui a étudié là, qui a ses entrées partout, qui est jeune, puis branché sur une réalité qui sera jamais la tienne, que tu l'admettes ou pas. Je sais que tu penses que le sauveur du parti pourrait être Mario Duguay. J'en entends parler, même, quand je fais affaire avec l'Abitibi. Un arriviste qui a commencé sa carrière avec le Parti libéral avant de se jeter dans les bras du Bloc québécois pour mieux revenir à Québec déguisé en indépendantiste. Autrement dit, rien d'autre qu'un transfuge. On a tous quitté les vieux partis. On est donc des transfuges, nous autres aussi. Pour un idéal, pas par carriérisme. Mais ça change rien. Dans mon livre, moi, pour la relance du parti, on peut pas se passer de Mario Duguay. Ce qui signifie? Que Philippe et moi, on est d'accord pour accorder à Mario Duguay ce qu'il demande pour rentrer au parti. Un siège à l'exécutif,
La main haute sur les finances puis sur l'image que le parti doit se donner, avec un comté à son goût pour les prochaines élections. Il y a déjà signé le document à cet effet-là. Manque seulement l'approbation du conseil exécutif. Autrement dit, vous m'évincez, c'est purement puis simplement du parti. T'aurais un rôle de conseiller spécial, puis advenant une campagne électorale, tu pourrais te présenter comme candidat dans le comté de Rimouski. Un chat, ça s'appelle un chat. Se faire mettre d'or, ça s'appelle se faire mettre d'or. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Drôle de façon de me remercier d'avoir sauvé l'honneur des Beauchemin en empêchant Antoine de se suicider. Oh, là, tu déportes le vrai sujet de la discussion. Pour moi, il s'agit du même. Parce qu'il n'y aurait jamais eu de partie des régions si j'avais pas autant travaillé pour que ta famille, avec toi y compris, retourne pas au ruisseau qui était le sien à l'origine. Ton attitude, j'appelle ça de la trahison. J'exige une réunion extraordinaire du parti dans les 48 heures qui viennent. Le monde sera convoqué dès aujourd'hui. Laisse-moi deux minutes avec Manu. Dors! Je veux pas entendre un mot de plus, surtout si ça vient de toi. Écoute, Manu, je peux pas partir. Faudrait mieux que tu sortes. Parce que malgré le fait que je sois dans un fauteuil roulant, je peux encore t'envoyer valser dehors, cul par-dessus tête. Choisis pas ton moment, Marie-Victor. Je suis pas d'humeur à entendre n'importe quelle niaiserie. Que c'est que tu me veux? Tibert et moi, on a vu l'avocat aujourd'hui. Maintenant que les procédures de divorce ont commencé, les choses traîneront pas. Vous envisagez donc de vous marier? Oui. Dès que ça sera fini avec Marie-Victor. Pour toutes sortes de raisons, on compte vivre à Saint-Paul-de-la-Croix. Ça me paraîtrait plutôt aller de soi. Mais c'est quand même pas sans poser de problème. Par devers vous, en tout cas. En m'en allant rester avec Tibert, il serait hors de question que je garde la maison ici. Ça m'obligerait à la mettre en vente. Avec l'oratoire, bien entendu. C'est comme pas possible de séparer la maison de l'oratoire. Par ça, l'oratoire sert plus à grand-chose. Je reçois régulièrement la visite de plusieurs de nos anciens pèlerins. Que l'oratoire rouvre ses portes, ça ferait l'affaire de pas mal de monde. Tant que l'enfant sera pas né, Victoria ne prendra pas de décision par rapport à l'oratoire. Mais le mieux, ça serait que vous veniez vivre avec nous autres à Saint-Paul-la-Croix. Pour tout le temps. C'est une question de jours avant qu'on soit dans le plein de l'hiver. Vous pouvez pas prendre soin de vous puis de la maison en même temps. Pour moi, ce serait pire que de vous abandonner au beau milieu d'une tempête. S'il devait vous arriver la moindre petite chose, je ne le pardonnerais pas. Et vous n'êtes pas obligé de donner une réponse maintenant? Oh, ça serait pas d'adon, parce que je pourrais pas. Mais j'ai peut-être une autre proposition à vous faire, par exemple. Regarde pas Marie-Victor, toujours. C'est devenu tout autre chose, plutôt sympathique. Je pensais toutefois que tu mettrais plus d'enthousiasme à me le montrer. Excuse-moi, mais... c'était pas prévu dans ma journée que tu viendrais avec Thomas. Mais ça l'était pas pour nous deux non plus. Mais après avoir vu Antoine, j'ai pensé que je devais t'en parler. D'après ce que m'en a dit Eugénie, ça serait passé plutôt bien. Elle t'a mis au courant pour Boromé? Ouais. Je sais que M. Beauchemin prétend jouer aux dames avec Pat. T'en penses quoi? Moi, je me suis pas vraiment arrêté à ça parce que j'en vois pas l'importance. Même malade, on peut pas revenir dans le passé, comme on peut pas le changer non plus. Il y a aussi ce qu'Antoine m'a dit quand je me suis retrouvée toute seule avec lui dans sa chambre. À cause de ce que j'ai vu dans ses yeux à ce moment-là, ça m'a troublée. T'as parlé de quoi? Antoine m'a rappelé le mal que sa famille a fait à l'anneau depuis des générations. C'est quelque chose qu'elle mettait déjà avant de tomber malade. Je vois donc pas ce que ça ajoute de plus à tout ce qu'on sait depuis des années. Antoine m'a dit aussi qu'il me considérait maintenant comme sa petite sœur. Tu vas m'expliquer ça par le simple fait qu'il est malade puis que les mots ont déjà moins de sens pour lui.
J'ai rien à t'expliquer, mais... Quand les choses deviennent irréelles, interroger les signes, c'est comme de vouloir que la glace fonde avant même qu'il y ait neigé. J'aimerais en être aussi assurée que toi. Je peux malheureusement pas t'aider là-dedans. T'en es aussi convaincue que tu le prétends. C'est le bois que j'ai commandé qui arrive. Thomas et Eugénie sont dehors, laisse-les s'en occuper. Le bois, c'est pas pour décharger ici, j'en ai pour chaque bâtiment à sa réserve. Dorénavant, j'aimerais ça vous considérer comme ma petite sœur. Pourquoi ça me frappait de même, puis que c'est toujours là? À me faire comme des nœuds partout dans le corps. Je te remercie, Léonie. Je n'oublierai jamais ce que tu fais pour papa. T'avais une chape de plomb sur ses épaules, puis c'est enfin parti. Non, mais je suis content que papa puisse rester. N'importe où ailleurs, ça aurait été pire que la fin du monde. Bon, ben, si t'es d'accord, là, on monte. Je suggère que vous attendiez quelques minutes. Pas dormir quand Léonie est descendue. On a tout le temps qu'il faut. Maintenant qu'on a parlé avec Manu, il n'y a plus grand-chose qui presse pour aujourd'hui. Sur le sujet de la fête que tu comptes organiser? J'ai comme l'impression qu'il n'y en aura pas de fête. C'est pourtant impossible de passer à côté. Plus maintenant. T'as été le premier à en parler? Depuis un matin, l'eau a coulé pas mal plus vite que d'habitude dans Rivière Trois-Pistoles. Puis d'ici 48 heures, ça risque de s'accélérer encore. Je suis pas sûr que ça me tente d'entendre la suite. Ça se résume en une seule phrase. Ou bien Manu fait ce que lui demande le parti, ou bien le parti va se passer de lui dorénavant. Qu'est-ce que Manu a tant fait pour que le parti en vienne à une décision pareille? Ça se résume en deux phrases aussi. Manu a toujours considéré le parti comme quelque chose lui appartenant en propre. Mm-hmm. Pour garder sa mainmise dessus, ben il trafiquait dans l'ombre pour faire avorter ce que moi puis Marjolaine, on était de l'avant. Ouais, mais... Pa est sûrement en train de dormir. Si c'est le cas, dérangez-les pas. C'est certain qu'on va vérifier avant. Ouais. Ce que je comprends pas dans votre chicane avec Manu... Oh, c'est pas de la chicane. Je suis la première à admettre que sans Manu, il n'aurait pas eu de parti des régions. Mais les structures mises en place depuis le début sont devenues carrément inopérantes. C'est pas où c'est que j'ai mis les pieds. Mais il y avait là de la poussière autant que j'étais allé dans les petits chemins de campagne. Journée de grande sécheresse. On n'est pas allé plus loin que dans le grenier, pourtant. Dans le grenier? Qu'est-ce qu'on serait allé faire dans le grenier? On serait mort étouffé bien raide par la poussière. Jamais j'aurais mis les pieds là, moi. Vous vous rappelez vraiment pas? J'ai dormi, je me suis réveillé, c'est bien assez pour moi, ça. Tiens, approchez-vous, on va jouer aux cartes, là. Pendant que vous dormiez, Mandolin et moi, on est allé au grenier. Malgré la poussière? On avait apporté tout ce qu'il faut pour nettoyer. Il y a toujours trop de risques avec la poussière. C'est pas grave maintenant, étant donné qu'on est ici. Puis? On a trouvé des choses. Mais je sais pas, par exemple, si vous voulez les voir. Ouais, ça te fait plaisir de les montrer. Moi, ça me dérange pas de les regarder. Vous les aimeriez peut-être pas. Ben, si j'avais pas dormi, ce serait pas pareil. Pourquoi ça serait pas pareil? Ben, à cause des rêves. Quand tu dors bien comme il faut, c'est comme s'ils passaient à travers toi sans que tu t'en rendes compte. Quand tu te réveilles, c'est comme si... Depuis que toi, le dernier, nulle part. Tu peux tout voir sans problème. Qu'est-ce que tu caches dans ta main, là? Non, rien d'autre qu'une photo. Ben, si tu me le donnes pas, je peux pas la voir. Ah, le grand-père Maxime. Parce que t'as les mêmes yeux que lui, je te l'avais donné l'autre jour quand on se promenait ensemble. Tu peux la garder, elle t'appartient. Ah, il y a autre chose aussi. Quoi donc? Une pipe et une blague à tabac. Ben, si tu la laisses dans ta poche, je la verrai pas. Le tabac, Mandoline puis moi, on est allé l'acheter tantôt au magasin. On aimerait ça si vous fumiez la pipe. Ah. Grand-père Maxime, il voulait pas me la donner parce que j'avais pas l'odeur du tabac. Bon, fumer la pipe, ça m'a jamais rien dit. S'il t'en a fait de cadeau à toi, ça doit être parce que t'es capable de faire des beaux ronds avec la fumée. Prouve-moi-le que t'es capable. Puis grand-père Maxime, il va te la donner. Sinon, je vais être obligé de l'offrir à quelqu'un d'autre.
votre temps. Je ne suis pas pressée pour la réponse. Mais si vous acceptez de me vendre la maison, vos conditions seront les miennes. C'est pareil pour l'oratoire. Je vais l'utiliser seulement pour prier la bonne Sainte-Anne. Mais vous allez quand même vous retrouver toute seule. Hein? Oh, j'ai des amis maintenant. Avec mes amis, la solitude n'est jamais un problème. Ben, dès que tu verras parler à Mandeline, on vous donne des nouvelles. Prenez quand même soin de vous. Victorienne a tout dit, je pense. J'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Au revoir. Quand je t'ai dit de vérifier les informations que j'avais par devers Victorienne, ça n'a rien à voir avec l'idée de mettre le feu au bâtiment de Tibère. Un acte pareil en plein jour, c'est pire que de la bêtise. C'est un vrai suicide. Je savais plus ce que j'en étais rendu. C'est tellement évident que t'as pas besoin de me le dire. Même par une brume à découper au couteau, on s'en rendrait compte de soi-même. Le résultat, c'est que te v'là encore dans de mauvais draps. J'ai pas besoin de te faire remarquer que ceux-là sont bien pires que quand tu t'es retrouvé pour une première fois devant un juge. Raison de plus que je sorte d'ici tout obsèquement. On t'a pas demandé une caution à tout casser. Comment ça se fait que tu l'as pas payé toi-même? Tout l'argent que j'avais, je l'ai mis dans mes actions de Petrobasque. Ça me faisait rien, étant donné que je devais recevoir un salaire toutes les semaines. Je pensais vivre avec, en laissant mon bois de laine profiter par lui-même. Là, c'est sûrement pas Léonie qui va courir jusqu'ici de m'apporter un chèque. Tu l'as appelé? T'as peut-être fait un fou de moi dans le rang des bœufs, mais c'est pas ma condition de tous les jours. J'ai plutôt tenté ma chance du côté de Gabriel Lévesque. Je comprends pourquoi tu m'as téléphoné. Puis pourquoi aussi, ça presse tant que je vienne te voir. Pour rien te cacher, je m'attendais à ce que tu te manifestes avant. J'aurais pu. Étant donné que c'est dans la logique d'un service rendu d'en attirer un autre. La lettre que tu m'as envoyée porter rue Notre-Dame, là, me doute bien qu'elle doit avoir un rapport avec ce qui est survenu au Beaupire à Rivière-Trois-Pistoles. Tu m'en avais prévenu toi-même, d'ailleurs. C'est drôle. J'ai pas mémoire de ça. Tu m'as même dit que, grâce à ta fameuse lettre, tu tenais ta vengeance contre les Beauchemins. Antoine a pas eu besoin de la lire. Le destin s'est occupé de lui autrement. Personne n'a encore trouvé la lettre dans la chambre du beau-père, mais c'est pas quelque chose qui risque de retarder bien gros, par exemple. Je gagerais pas là-dessus si j'étais toi. En d'autres mots, oublie donc que je t'ai confié une enveloppe pour la rue Notre-Dame. Moi, je veux bien. Mais ça implique un peu plus de reconnaissance de ta part, par exemple. Mettons que je la paye, ta caution. Tu vas faire quoi en sortant d'ici? Maintenir bien tranquille. Où? Si t'ajoutes quelques bidoux, je suis même prête à devenir newfie à Terre-Neuve. Vaudrait mieux. D'un jour qui vienne, j'aurai pas le temps de courir après toi. Ce que j'aime avec toi, c'est que t'es capable de reconnaître les bons arguments. En autant que c'est pareil de ton bord, j'ai pas de problème avec ça. Comme disait la bonne Sainte-Anne, il y a toujours moyen de moyenner pour l'homme de bonne volonté. Ainsi soit-il. Je suis toujours pas convaincue. C'est peut-être la meilleure solution, au fond. Manu se retrouve conseiller spécial du parti, tout en ayant la possibilité d'être candidat dans le comté de Rimouski. Il me semble que c'est quelque chose d'acceptable pour lui, ça. Vous oubliez l'essentiel, tout le monde. Toute l'existence de Manu tourne autour du Parti des régions. C'est comme si vous y enleviez sa seule raison de vivre qu'il a jamais eue. Personnellement, j'ai rien contre Manu. C'est seulement une question politique. Où est-ce que t'es malade? Comment ça, malade? J'aime autant pas le dire. Vous êtes mieux de venir voir à place. À force de crier au loup, pas étonnant que le feu finisse par prendre dans la bergerie. Qui est arrivé? Ben, tout allait bien, me semble, puis le mal de cœur l'a pris, là, tout à coup. Ça tourne. Je suis tout étourdie.
Oh, j'ai mal à la tête. J'ai juste envie de vomir. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? C'est rien d'autre qu'une question de boucan, je pense. Père, hein? Dis-moi que c'est pas vrai, là. T'as pas fait fumer Bouscott? Il voulait avoir la pipe. Il peut pas lui donner sans savoir s'il pouvait fumer dedans. Moi, c'est quand j'étais petit, je l'avais demandé à mon grand-père Maxime. Mais si je l'ai pas eu, c'est juste parce que j'aimais pas l'odeur du tabac. T'aurais dû savoir que ça le rendrait malade, voyons! Pourquoi j'aurais dû savoir ça? C'était pas écrit nulle part que ça se passerait de même. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? Rien, pas. Pense-y plus. Le mieux, c'est que je te ramène dans ta chambre. J'espère au moins que t'as compris la leçon puis que tu l'oublieras pas de sitôt. Ben, moi, je suggère qu'on se débarrasse de ça. D'autant plus que c'est lettre pas ordinaire. Je peux voir. Ça a été sculpté par un malicite. Pis? Ben, depuis le temps, il doit pas en rester bien gros, des comme celle-là. Qu'est-ce que vous en diriez si on l'offrait à Benjamin? À Benjamin? Ben, s'il fume là-dedans, ça risque pas de le rendre malade comme Bouscott. Tana chao to lap misin kozumeo. Messi papkiat nakaskat. Wikawin akwidun. Excuse-moi, tu disais quoi, Mélicite? Je me demandais seulement si tu allais regarder encore au dehors de toi. Je me demandais aussi pourquoi tu descends la rivière sans canot pour te protéger. Mais c'est pas des vraies questions. Si t'as rapporté ici le journal de ta mère, c'est parce que Benjamin a pas su te convaincre. C'est pas dans les habitudes de Benjamin de fuir le regard de la personne avec qui il parle. Tu penses vraiment que c'est relié à ce que ta mère a écrit? C'est comme une prémonition, rien de plus. En admettant qu'il y a un lien entre le journal puis les confidences d'Antoine, comment tu penses le retrouver, ce lien-là, maintenant qu'il y a des pages qui manquent? C'est pas tellement de retrouver qui m'importe. En relisant le journal de ma mère, peut-être que je vais me rendre compte que c'est moi qui fabule par-devers ce que me dit Antoine. Moi non plus, je suis entièrement d'accord avec moi-même. Mais c'est comme une petite blessure, là, au beau mi-temps de moi. Je voudrais en juguler les effets plutôt que de la voir s'agrandir pour rien. Je vais te laisser lire en paix. Je vais aller soigner les bêtes. Tu peux rester? Non, ça t'empêcherait de voir les mots pour ce qu'ils sont.